Volvo l'a annoncé officiellement. Le Volvo XC40 sera le premier véhicule 100% électrique de la marque suédoise. Après le succès rencontré au Canada et dans le monde à sa sortie, cette annonce fait grandir un peu plus l'intérêt pour ce modèle. En effet, lors des premières semaines après sa présentation officielle, on avait déjà pu apprendre que le Volvo XC40 était construit de telle manière à ce que le véhicule puisse accueillir un moteur électrique pour remplacer la motorisation essence. L'élément clé pour un véhicule électrique est son autonomie 100% électrique. Cela sera sûrement l'un des points clés du succès pour le Volvo XC40 électrique. Si l'on se fie à ce qui se fait dans l'industrie actuellement, il se pourrait que le véhicule ait une autonomie entre 300 et 500 km. Il faudra par contre attendre les chiffres officiels pour se prononcer de manière exacte. D'après certaines rumeurs, il se pourrait que le véhicule arrive en 2019, sinon en 2020. En plus d'une version uniquement électrique, le Volvo XC40 pourrait aussi faire son apparition au Canada avec une version hybride rechargeable. Couplé au premier moteur 3 cylindres du constructeur suédois, le Volvo XC40 aurait ainsi une version liant moteur thermique et électrique. Comme vous avez pu le constater, peu d'informations sont pour l'heure connues au sujet de ce Volvo XC40 électrique et de son arrivée au Canada. John Scotty Volvo vous propose toutefois de vous inscrire à sa liste de diffusion. Vous serez ainsi les premiers à connaître tous les détails de ce futur Volvo XC40 électrique.